David Hallyday pourquoi il ne veut pas participer à l'album posthume de Johnny. L'album posthume de Johnny Hallyday n'est pas encore terminé qu'il est déjà au centre de toutes les attentions. De l'idole des jeunes avait débuté dès mars 2017, seulement quelques jours après, qui aura fini par l'emporter. Sur les 12 titres de l'album, par le rocker, comme l'avait expliqué Philippe Mansuvre au micro de BFM peu de temps après la mort de la star. Mais Johnny Hallyday avait envisagé le pire et s'était très bien entouré pour être sûr que son dernier opus sorte malgré tout. Il avait ainsi confié les commandes à son ami Maxime Nuxy, et c'est son épouse Laetitia qui devait assurer le rôle de directrice artistique. Dès la mi-janvier, tous deux étaient pour achever le suivre de Johnny. Un dernier tour de chant qui a malheureusement aussi réveillé les blessures familiales. Dans le dernier numéro de Voici, un proche de la famille a ainsi confié que David pense que Laetitia n'est absolument pas légitime pour cela. Hier, samedi 3 février, le fils du chanteur s'exprimait par la voix de son avocat pour la première fois concernant des communications rompues puisque David Hallyday révélait qu'il n'avait plus reparlé à depuis le mois de décembre 2017. Le fils de Sylvie Vartan a également révélé pourquoi il ne voulait pas travailler sur l'album posthume de son père. Dans ce communiqué transmis à l'AF, Jean Veil, l'avocat de David Hallyday, explique que son client est avant tout respectueux du travail commencé par son père. Pas question donc pour David Hallyday d'aider Maxime Nuxy ou Laetitia Hallyday à terminer cet album posthume, puisqu'il trouverait inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une suivre qui ne serait pas intégralement de lui. Un choix tranché de la part de David Hallyday, qui, à 51 ans, retrouvera dès mars prochain son public lors d'une grande tournée française.